Salut! Pourquoi les... C'est qui a mis un arrêt de bus là? C'est bizarre, à chaque fois il y a un truc ici, je comprends pas! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va aller regarder pourquoi les humains vivent moins longtemps. Pour ceux qui débarquent sur cette série, bienvenue. Je sais que vous avez passé un agréable moment parce qu'on a trouvé pourquoi l'espèce humaine va s'auto-détruire. Parce qu'on oublie de couper le disjoncteur par exemple. J'ai fait une vidéo qui traite à ce sujet où j'ai oublié de couper le courant sur mon chantier et je me suis pris un méga coup de jus. Il y a même le compte Twitter de pourquoi les humains vivent moins longtemps qui a retweeté ma vidéo. Bon après c'est compréhensible, hein. Je suis un idiot du village. C'est parti! Il y a Robin des Bois là dans les arbres. Bah, dis donc, Robin des Bois, c'est pas ton jour. Le tueur en série un peu teubé. Oh, ça pue. J'allais dire ça pue. C'est quoi ça? On dirait un bunker. C'est quoi ça, mec? C'est quoi cette entrée, là? Mais les ingénieurs sont de plus en plus cons, c'est pas possible. Là, c'est plus des joueurs, là, mec. C'est une armée qui est dedans, là. C'est une poule. Mais attends, il a déchiré le t-shirt et tout. Qu'est-ce qu'il fait, le mec, là? On dirait qu'il vient de se battre et il se fait taper par une poule. Pourquoi les humains vivent moins longtemps? Parce qu'on se fait tabasser par les animaux, on se fait même plus respecter, mec. T'as une poule, elle te déchire de partout. On dirait qu'il s'est battu, mec, contre 10 mecs. Et puis, ok, ils vont se péter la gueule ou... Il est... Hey, ils sont un peu bourrés, allez. Je crois qu'ils sont pompettes ou... Il va s'éclater. Il a disparu, il est dans le monde de Narnia, mec. Et il retente. C'est tes grands-parents, après une soirée. Hé, chérie, on a plus 20 ans, hein. Attends. Moi, je Elle va disparaître, aussi. Elle a disparu, aussi. Voilà pourquoi les humains vivent moins longtemps, hein. Y'a quoi là-bas? Il se passe quoi derrière là? Y'a une grosse rixe qui est en train de se lancer derrière là. Y'a le joli petit couple qui était en train de prendre une petite photo là, tranquille. Et derrière y'avait toute une tournure là, tu sais pas ce qui se passe. Regarde pas ce sourire. Ah, derrière c'est le gros bordel. Le temps de réaction. Oh, tu la prends cette photo là? C'était un petit peu long à prendre ta photo, non? Celle-là, elle est costaud, par contre. Eh, faut pas croire, hein, les vieilles télés, là. Les grosses télés cathodiques, là. Elles sont costauds, celles-là. Dire que quand elles tombaient par terre, t'avais un trou dans le sol. Allez, moi, je connais la suite, mec. Ça, voilà. C'est quoi? Ah, je m'attendais à tout sauf à ça. Ah, mais il l'a dessapé, mais à une vitesse. On sent l'expert du dessapage. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Généralement, le genre de vidéo avec ça, là, c'est un mec qui se pète la gueule. Oh, putain, le génie! Oh, je viens de comprendre! Il fait croire à la meuf que... Quand elle passe, il appuie sur le bouton du caddie et puis ça lance un bip-bip. Du coup, la meuf à côté, elle croit que bah y a un problème avec les détecteurs, là, de cette... Genre, elle a volé un truc, quoi. Mais quoi, elle a arrêté de marcher. Il y a un bug dans son cerveau, elle comprend pas. Tu viens de payer, je peux pas sortir. C'est quoi, ce bordel? Elle part? C'est trop fort. Mais non, mais... Attends, y'a un employé du magasin. Elle sortira jamais du magasin. C'est une boule de bowling, ça. Eh, c'est un futur bodybuilder, lui. Par contre, les parents, ils vous avez quoi dans la tête, là, de donner une boule de bowling à votre gamin, là? Qui donne une boule de bowling à son gamin comme ça, là, mec? Il a 4 ans, le gamin, là. Non, il a un an. Il a un an, tu lui donnes une boule de bowling, là, mais qu'est-ce qui va pas dans la tête des gens? Non, mais stock, le gars, il va à la salle et tout, déjà, non.
s'est caché le visage. Qui l'a juste stocké, elle s'est caché le visage. C'est pas moi, non. J'étais sûr, j'allais dire, il va le balancer, mais... Quoi? Ah, il va partir dans le truc des bagages là, comme le gamin là. Il était parti se promener dans le fin fond là du circuit de bagages. Tu vas retrouver lui, mec, à côté des valises. C'est chelou, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui parle là dans la soute. Vidéo de caméra de surveillance, ça pue déjà, ça pue. Je sentais le truc venir, mais pas comme ça. Quoi? Pourquoi il a fait ça? Il y a eu une tentative d'assassinat dans le public là, non? Il y a la caméra qui a pointé sur lui, après il a fait... Eh merde, putain... Tout mon plan tombe à l'eau. Il va éclater sa caisse. J'ai pas compris son calcul scientifique là, il a parlé de sa voiture, elle fait 1m47 et le mur il fait 1m50 là. Ah ouais, mais il a toute une technique, c'est quoi ça? Tout ça pour rentrer chez toi. Mais déménage, change de maison ou achète une moto. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Garde-toi dehors. Je sortirai par la fenêtre. Moi, j'aurais la flemme là d'ouvrir la porte, là de faire je sais pas quoi. Hey, vas-y. Moi, avec ma clé magique, je reste appuyé ici et ça ouvre la fenêtre. J'appuie là, ça ferme la fenêtre. Bah voilà, problème réglé, mec. Je sors par la fenêtre. Avec sa tête de pigeon là, c'est l'ascenseur émotionnel. Ah mec, j'ai trouvé 100 balles par terre. Il y a des gens, ils pêchent des poissons et il y en a d'autres, ils pêchent des pigeons. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager avec vos amis. Les humains sont toujours très cons. Après 10 épisodes, on se rend compte que on n'est pas prêt d'évoluer. Hein. C'est donc ça, des années d'évolution. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Mais c'est quoi cette lampe de merde?